Eh bien, salut à vous, chers enquêteurs et détectives. Oui, c'est moi, détective défensif. Et aujourd'hui, oui, je vais parler d'une affaire extrêmement, extrêmement gore. Vous inquiétez pas, j'essaierai de faire que celle de demain sera mieux. Ici, c'est du gros. Eh ben, c'est en fait, on a vu une victime et on l'a vu mourir sous nos yeux. Et c'était délicatement, en petits morceaux. Je vous explique. En gros, nous avons été appelés, je ne sais pas comment, et nous avons dû regarder une personne qui se faisait couper petit à petit des parties de son corps. Voilà. Elle était vivante. Et nous avons dû regarder ça, parce que je souligne que du coup, c'était le meurtrier qui voulait nous faire faire ça. Pour nous faire comprendre, apparemment, du coup, la violence policière. Et franchement, même en vous en reparlant, ça me répugne. Je ne comprends pas comment on peut encore faire ça. Je veux dire, l'espèce humaine est pitoyable. C'est pour cette raison que je vais essayer de vous raconter une histoire dans un décor beaucoup plus jovial. Ça sera pas plus joyeux, j'en suis d'accord. Mais voilà. On se rapproche de plus en plus d'Halloween, finalement. Donc, ça a du sens. Mais voilà, j'espère quand même que cette très, très sordide affaire vous aura plu. Oui, je suis pas allé dans les détails. J'ai pas dit qu'il était le meurtrier, comme d'habitude, pour les raisons que vous connaissez. Mais voilà. Je vous dis quand même au revoir et à demain. Allez, bye!